Et pendant ce temps-là, la Team Monroe qui a donné le coup d'envoi de ce match. US Dax, Rugby Club, hier, Carqueran, Lacro. Objectif, rester au contact de Valence Roman pour les Dacois. S'éloigner un petit peu de la zone rouge pour les joueurs de hier. Le centre néo-zélandais, 35 ans, un des anciens de cette équipe, hein, tout comme Radeko Vula. Pendant ce temps, cette touche, elle a été vite jouée. Attention par les Dacois. La prise de balle est bonne et on avance, on progresse dans le camp de Rugby Club hier, Carqueran Lacro. Et bien déjà le premier essai de ce match après 12 minutes en faveur des Dacois. Ils ont réagi tout de suite, la touche a parfaitement exécuté et il me semble que c'est Johan Gone qui est allé à l'essai sur cette action. La prise de balle parfaite et derrière le pack s'est mis en place. Ça a avancé tout de suite, il n'y a eu aucune chance pour tenir, hein, pour les visiteurs. On est allé à Dam sans problème. Et il me semble bien, c'est Johan Gone qui avait ce ballon. Les Dacois poussés par le stade Maurice Boyau. Vous entendez les supporters qui sont là. Et cette sautée avec Luamanu maintenant, qui est passé une première fois, qui rentre dans les 22 et qui trouve Dechavanne à côté. Le deuxième essai pour l'US Dax. Il est signé Julien Dechavanne, il est magnifique. On l'a vu ce ballon vers Luamanu qui a fait la différence, qui a créé le décalage. Et derrière le Samon qui a trouvé son ailier à hauteur pour cet essai. Ils sont très solides offensivement les Dacois. On le savait. La défense de hier, Carqueran a pas mal tenu, mais là, elle craque sur cette action magnifique. Pour la deuxième fois, ça fait déjà deux essais à zéro. Et 18-6 en faveur de l'US Dax, qui fait une première mi-temps de très haut niveau. Et il faut le dire, hier, Carqueran est loin d'être ridicule, mais là, la vitesse et le talent de cette équipe landaise qui permet à Dechavanne d'aller à Dam à son tour, après Johan Gone. On a bien envie que hier marque assez vite avant la mi-temps pour qu'il y ait du suspense. La prise de balle de Svendou est parfaite. Ça se joue très rapidement avec ce ballon qui revient sur Tabarro qui attaque la ligne. Il est stoppé à quelques encablures de la ligne d'essai. Munoz a relevé ce ballon. Ça va ressortir avec du pied sur les gros maintenant. On avance avec Serra. L'essai pour hier Carqueran. La réponse est immédiate de la part des Varois. C'est alors j'arrive pas à vous dire hein, là comme ça qui a marqué cet essai. J'ai l'impression que c'est Serra Lietti qui a ce ballon. Non, c'est Thibaut Tréant qui a ce ballon et qui derrière réussit grâce à son pilier gauche à rentrer. C'est bien ça. C'est Chelidze. Thibaut Tréant, c'est le numéro 3 de Dax. C'est le Géorgien Chelidze qui inscrit cet essai. Et nouvelle touche pour Maxime Delonca. Pas de prise de balle de Mathieu Bidot. Le ballon porté se met en place. Ça n'avance pas. Si, maintenant, c'est en place avec Delonca qui a ce ballon dans les mains et qui va pouvoir aller seul aplatir. C'est validé par Monsieur Beriot. Et ça fait déjà le troisième essai en faveur de Dax. Action-réaction hein, d'un côté comme de l'autre. Et ça n'en finit pas de scorer dans cette partie. Le capitaine Maxime Delonca a montré la voie. Le ballon porté a été parfait, tout simplement. Ils ont été impeccables, là, les Dacois, et ils ont ouvert la porte à leur capitaine qui n'attendait que ça pour s'écrouler dans l'embu et inscrire le troisième essai déjà. De réaliser une prestation de très haut niveau, symbolisée par ces trois essais. Le lancer de Maxime Delonca, la bonne prise de balle en fond d'alignement. Et on essaie de progresser de nouveau. Le ballon porté des Dacois, c'est évidemment le capitaine qui a cette balle, le numéro 2, Maxime Delonca, qui avance, qui progresse. Ça va vite, ça va trop vite, ils sont trop forts. Le doublé de Maxime Delonca est déjà le quatrième essai pour l'US Dax avant la mi-temps. Un essai qui est déjà sur le bonus offensif. Évidemment, on est qu'à la pause, mais déjà l'US Dax est en train de réaliser une première période de très haut niveau. Et malgré la volonté, malgré le talent de cette équipe de hier Carqueran Lacro, il y a une classe d'écart pour l'instant entre les deux équipes et elle est symbolisée par ce score 32-13 en faveur des Dacois. On va être obligé de ressortir. Reto avec Berkesi qui va pouvoir provoquer et qui va servir sur le côté. Gatelier, il est passé une première fois. Gatelier qui va réussir à aplatir le cinquième essai Dacois. C'est il met de la pression depuis une dizaine de minutes les Varois, les Landais, pardon. Et c'est symbolisé par cet essai de Théo Gatelier, parfaitement servi au large par Berkesi. En bout de ligne, inscrit par l'ailier local, Théo Gatelier. Derrière, le crochet sur David Smith. Oui, il y a le retour, le très gros retour
derrière, notamment d'Orméa. Ce sera joué à la main par Simon Garouté, qui va certainement aller chercher Luamanu. Voilà qui est fait. Et la charge du Samoan pris aux jambes parfaitement par Reguiardo. C'est les dernières secondes, on est pénalisé. Hein. Il y a un avantage en faveur des Dakois de toute façon, avec Lévy bien pris, refoulé à son tour. Garouté qui relève ce ballon avec Loiret, le géant Étienne Loiret. Garouté encore, qui repasse de l'autre côté maintenant, avec ce ballon pour Théo Duprat, qui passe après contact sur le côté avec Berkesi. Et maintenant sur le côté, très bon, laissé. Laissé en bout de ligne pour l'US Dax, signé Théo Trémaux. Allez, ça en continue de s'énerver. Là, du côté de Yerkar Kiran, on a vu avant ce qui est arrivé après coup et qui a donné, qui a semble-t-il donné un coup tout simplement. Et Guillaume Bouche qui trouve Théo Trémaux, le sixième essai, je le répète, comme un ailier. 6 essais à 1 donc pour cette équipe de Dax qui l'emporte donc largement face à Yerkar Kiran Lacro, 46 à 13. C'est comme ça, c'est sur cet essai que cette partie se termine. On a fini la première période par un essai, on termine le match par un essai également.